Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, destined for the potion. Loving this devotion. Par une belle journée d'automne, j'avais décidé de prendre un bateau et d'aller faire un tour sur la belle île de Porquerolles, sans trop savoir pourquoi d'ailleurs. Comment expliquer cet attrait pour explorer la nature, le vent dans les voiles de bateau, les goélands experts en pêche et les cris des enfants sur le port. Aujourd'hui, j'avais envie de me relaxer, de rencontrer des âmes et sous l'effet d'une pulsion inédite et excitante, je décidai d'aller m'acheter un sorbet chez le glacier le plus connu de l'île. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Un abricot romarin, s'il vous plaît. Allez, un abricot romarin, très bon choix. Dans le cornet, dans le pot? Un cornet. Allez, un cornet. Tenez, monsieur. Je te démonte, je te casse en deux, je prends ta maman et je la sodomise. Je sodomise ta maman, je la prends et tes sœurs et ton frère. Non mais ça va pas ou quoi? Non mais je vous ai fait quelque chose, monsieur? Hein, mais on se connaît au moins? Mais vous avez un problème dans votre tête. Non mais dégagez de là, il y a des enfants ici. Dégagez! Non mais c'est pas possible ça. Aujourd'hui, c'est décidé. C'est la journée du sourire. Et du rire même. Je me réveille sur l'île de Porquerolles. Je me sens comme dans un rêve. Et comme je ne crois pas aux coïncidences, je pense que je vais en profiter pour me faire un petit restaurant des familles, car j'adore le poisson. Et monsieur, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers à boire? Ah oui, alors non. Non. Je voudrais pas quelqu'un d'autre. Oui, est-ce que je peux avoir l'autre serveur, lui là, s'il vous plaît? Ah ouais. Ouais. Ok. Apparemment, vous m'avez demandé particulièrement qu'est-ce que je peux faire pour vous. Déjà, bienvenue à l'OSPA. Merci. Alors, une carte, s'il vous plaît, une carte. Une carte, ben, je vais vous chercher ça. Alors voilà, je vous donne la carte du restaurant. Merci. Vous avez fait votre choix peut-être déjà sur une sélection à l'entrée? Non, mais vous pouvez peut-être rester pour m'aider. Voilà, je voulais savoir un peu pour la soupe de poisson de Roche des Îles d'Or. C'est du poisson? Ben, comme c'est indiqué, monsieur, oui, tout à fait. Vous avez le détail sur la carte. Donc du coup, c'est des poissons de Roche pêchés du matin. Ok. Et donc ça parle des Îles d'Or, mais ce poisson, il a été pêché quand? Alors, il a été pêché du jour. C'est marqué, c'est une pêche du jour. Donc voilà, on a les pêcheurs qui viennent à quai et on récupère le poisson. Et notre cuisinier se fait un plaisir de vous préparer ça. Et les îles d'or, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est des îles d'or, en fait, si vous voulez, c'est le nom de l'archipel qui se situe juste très derrière. Bien, voilà, donc c'est bien, un coin très paradisiaque qui renferme une. Très bien. Mais ça ne m'intéresse pas parce que je n'aime pas ça. Je vais plutôt vous demander sur le tataki de thon. Regardez, ouais, le tataki de thon rouge mi-cuit. Ah, quand vous dites mi-cuit, c'est qu'il est cuit que d'un côté
Oh, vous êtes monsieur et joueur, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est mi-cuit, donc ça veut dire qu'il y a une cuisson accrue du thon et une cuisson un peu plus savoureuse. Ok, pas mal. Mais vous savez quoi, j'aime pas du tout le poisson, donc du coup, je voulais savoir par rapport au double cheeseburger, au lard frit que vous avez, il y a du steak à l'intérieur, j'imagine. Ouais. C'est ça? Tout à fait, ouais. Oui, il y a du steak à l'intérieur. Un steak burger. Après, nous avons des chicken burgers, si vous voulez. Non. Par contre, monsieur, je vais vous couper 5 minutes. Je vais vous laisser faire votre choix. Alors, non, restez là parce que moi, je vous emmerde. En fait, je vous emmerde, mais c'est voilà. Je vous emmerde. Bah. Je vous emmerde. Tu vois mon droit. Il est pour toi, ce droit. Il est pour toi. Il est pour toi. Dégage de là-bas. Bon, pas fait plus ça, va. Bon, Angemar, il faut que t'arrêtes là avec tes méthodes. Il faut vraiment que tu fasses pas la liste de tous les aliments, c'est de la torture. Oui, bah on me demande d'être créa, je suis créa moi. Oui, mais arrête de tourner autour du pot, tu fais comme pour le glacier, tu vas droit au but. Par contre, Céleste, par rapport au glacier là, qu'est-ce que tu voulais dire là, j'ai pas compris. Mais non, mais c'est trop gentil, j'aime pas les trop gentils, toujours un truc chelou. Non, bah pas toujours, Céleste, d'accord. Et là, tu vois, c'était un hypersensible et ça fait 2 jours qu'il en y était. Bon, on en était au restaurant, d'accord. On va faire pareil pour le restaurant avec la liste des cocktails. Oh. Ah, mais qu'est-ce qu'il a, lui? C'est une ancienne alcoolique. Une? Bon, vous pouvez kiffer vos vies d'Angelitos là. On est des anges, on n'a plus de corps, c'est fini les addictions, tout ça. Même-toi avec la bouffe. Non, mais c'est pas pareil, Angemar, d'accord. C'est pas pareil. Bon, c'est quoi le programme pour demain? Alors, demain... Eh, mais Ange, c'est le verlan de Jean, comme des gens. Qui m'a foutu ça? Demain, normalement, notre ami ira demander son chemin à un agent de police nationale. Par notre intervention divine, il devra, malheureusement, l'insulter salement afin de provoquer dans le but de déterminer si son niveau de colère mérite une réactualisation de ses points paradis. C'est une sacrée série noire pour lui, là. Oui, enfin bon, on n'a personne d'autre sous la main, là. Tous nos agents du secteur sont soit emprisonnés, soit internés, soit... morts. C'est fou, ça. Absolument. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on les appelle, nos agents sur Terre. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter pour la journée de demain? Oui, le flic en question est prof de jujutsu brésilien. Ah. Et de MMA. Ouais. Bon, bah de toute façon on n'a personne d'autre, hein. Ok, allez.